Pamela, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui tout en violet. J'adore cette couleur. Maquillée, habillée et pomponnée pour un nouveau petit aux noses. Eh oui, cette fois-ci, je suis allée aux noses de Saint-Parotherte près de Berre dans l'Aube. C'est le deuxième nose que j'ai la chance d'avoir dans mon département. Et je voulais voir s'il y avait des petits pots. Vous savez, comme je vous ai montré des petits pots Vichy hermétiques, on peut écrire dessus à la craie. Et j'en ai retrouvé un, mais évidemment, j'en ai pris qu'un. Mais je n'ai pas trouvé que ça. Donc, on y va? Allez. Donc, comme je vous disais, j'ai repris un petit pot. Alors, celui-ci, il est un petit peu abîmé devant. Ah non, ça va. C'est des traces. Voilà. Comme ceci, à 1,50€. Voilà. Je vous remontre le deuxième. Voilà, petit pot hermétique avec un couvercle en caoutchouc. C'est dommage, j'aurais préféré un couvercle en... Vous savez, en bouchon, en liège. C'est plus joli, mais bon, j'adore. Moi, ce qui m'a fait prendre, c'est que c'est déjà le côté pratique, mais également... le rouge Vichy, comme ça, trop mignon. Et on peut écrire dessus à la craie. 1,50€, ça m'en fait 2. Je suis ravie. Je trouve ça très pratique. Ensuite, je verrai dans quel ordre. En make-up, enfin make-up, non. Plutôt make-up et... Ouh, excusez-moi, j'ai perdu un petit ticket. En make-up et en nail art, il y avait beaucoup de vernis, de rouge à lèvres, il y avait de magnifiques palettes, encore de la marque Vivo, comme je vous avais déjà expliqué. J'ai rien pris de tout ça, mais j'adore les jumbo. J'ai une quinzaine de jumbo Rimmel. Ouais, c'est Rimmel. Non, c'est Revlon. J'ai une quinzaine de jumbo Revlon que j'adore, des mats et surtout des irisés glossy. J'adore, ça hydrate la lèvre et en même temps ça colore la lèvre. Et là, j'en ai trouvé un rouge. J'en avais pas un rouge. C'est de la marque, c'est un jumbo lip butter matte. C'est quelle marque? C'est le numéro 3. Il n'y a pas de marque. Collectionne. C'est le Crimson Velvet et je l'ai payé 75 centimes. Il est rouge. J'espère que c'est un vrai rouge et qu'il ne va pas faire, vous savez, légèrement bordeaux. Parce que souvent, les rouges, il y a un peu de bleu dedans et ça ne fait pas du rouge-rouge. Je vais vous faire un swatch. Donc, 75 centimes. Il y avait des roses mates, des vieux roses mates, mais je les ai déjà, ces couleurs-ci, en Revlon, en jumbo Revlon. Il y avait quoi? Des nudes. Donc, j'ai pris que le rouge. Je voulais pas prendre pour rependre alors que j'ai déjà les couleurs. Et donc, alors, il n'y en a pas beaucoup dedans. Voilà, il y a ça. C'est déjà pas mal, 75 centimes. Ça se twiste. Et je vais vous faire un swatch. Alors, c'est du glossy. Hein. Ils disent mat, mais c'est plus du crémeux. Pour moi, c'est du crémeux. Voilà. Ouais, il est plutôt rouge-orangé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est rouge-orangé. Mais il est joli, je n'ai pas cette couleur. C'est assez vif. Trop joli. 75 centimes. Il va rejoindre ses poteaux. Voilà. Donc, il a du orange dedans. Ensuite, j'ai trouvé, donc j'en ai pris 3 parce que moi quand je mets du vernis, je déborde. J'ai des tout petits ongles, en ce moment ils sont horribles. Je vais vous en présenter qu'un puisque j'en ai pris 3, les 3 mêmes. J'ai trouvé des stylos correcteurs de vernis, vous savez, imbibés de dissolvant, comme ceci, voilà, avec des mèches. Alors il y a combien de mèches? Il y a 3 mèches. Et j'ai payé ça 99 centimes. J'en ai pris 3 parce que moi, ça va aller hyper vite. C'est de la marque La Belle Paris. Je vous dis, il y avait énormément de make-up de la marque La Belle. Il y avait des fards individuels. Il y avait des vernis, il y avait des rouges à lèvres. Il y avait des poudres, des fonds de teint mat, en
poudres compactes, des fonds de teint liquides, enfin il y avait énormément de choses. Voilà, et moi j'ai pris trois stylos comme ça, avec trois recharges imbibées de dissolvant, stylo correcteur de vernis. C'est génial, quand j'étais ado, j'en avais eu, et c'était hyper pratique, ça efface les traces de vernis, c'est enrichi en huile de jojoba, et c'est sans acétone. J'ai bien fait d'en prendre trois, j'en ai trouvé que trois, je voulais en prendre un peu plus, parce que ça va aller vite, puis j'en aurais donné à ma sœur. Mais j'ai pris les trois qui restaient dans le bac. 99 centimes. Ensuite, je me suis pris pour ma petite caméra. Vous savez, j'ai une caméra miniature qui me servait pour faire mes vlogs Nose. En ce moment, j'en fais pas trop parce que quand je sors, j'essaie de faire vite chez Nose. Je suis pas très très bien, même si ça se voit pas. Merci le maquillage. Et j'ai pas de petite pochette pour la protéger. J'ai mis ça dans une petite sacoche qui me permet de mettre ma perfusion. Vous savez, quand je suis hospitalisée tous les mardis, mercredis. Et là, j'ai trouvé ça, de la marque Tevisto. C'est un caméra bag, petit sac de caméra. Voilà, il est trop mignon. Il se met à la ceinture. Ma soeur en a pris un aussi. Et alors, franchement, ça valait pas le coup de s'en passer. 50 centimes. Non, mais j'en reviens pas. 50 centimes pour les petites caméras de sport, etc. C'est génial, franchement. C'est mis pour appareil photo numérique. Enfin bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais alors, 50 centimes, trop mignon. Il y a plusieurs compartiments. Voyez. Hop. J'adore, franchement, nickel. Je suis ravie d'être tombée là-dessus. Ensuite, ma sœur m'a pris encore un petit cadeau. C'est un petit, une petite boîte avec des stickers à l'intérieur, vous savez, pour écrire. Moi, je vais vous l'ouvrir hein, parce que je vais la mettre en déco. Elle a payé ça 2,50 €. C'est pas donné, mais c'est trop mignon. Je lui ai dit, tu me l'offriras pour Noël avec les petits trucs que tu as prévus. Mais elle a voulu me le donner tout de suite. Donc, 2,50 €. Trop, trop, trop mignon. Hop, je vais vous l'ouvrir. Elle me gâte, elle me pourrit. Voilà. Et voilà, c'est trop mignon. Il y a un petit minouchet. Trop mignon. On dirait mon caramel qui est au paradis maintenant. Et vous avez plein de petits post-it. Et moi, je m'en sers énormément tous les jours. Donc, je vais mettre ça sur ma table de salon. Trop mignon. Merci, ma sœurette. Je te fais de gros bisous, mais il fallait mettre ça dans les cadeaux de Noël. Trop mignon, on dirait mon caramel. Trop mimi. Et il y a ce qu'il faut. Hein. 2,50 €. Je ne l'avais même pas vu. Hop. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Supergirl. Ouais, c'est ça. Supergirl, comme ceci. Un petit boîtier hermétique pour mettre ce que vous voulez, hein, soit du make-up. Normalement, c'est du make-up à partir de 2 ans. Voilà. J'ai payé ça 99 centimes, pareil, ça valait pas le coup de s'en passer. Je vais tâcher de vous la sortir. Hop, c'est pour faire un cadeau. Donc, Supergirl, trop mignon, c'est hyper costaud. Franchement, la qualité, je sais pas si on a le prix en magasin. Made in China, non. On n'a pas le prix en magasin. Mais alors, la qualité, ouh! Génial. Donc, vous avez un petit livret. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà. Vous avez des petits compartiments avec des élastiques. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Plein de petits compartiments des deux côtés. C'est génial. Je me suis dit que ça pouvait servir. Ah ben, ça commence bien.
quoi ça? Il est défait. Bon, il est cassé ici, j'avais pas vu. Je vais mettre un point de colle et ça va tenir. Je vous dis. Bon, j'ai regardé. Hein. Voilà, la zipette est super, super de qualité. J'adore. Trop mignon, hyper costaud. 99 centimes. J'en revenais pas du prix parce que comme c'est de la marque. Hop. Trop mignon, regardez. Ça peut servir pour mettre tout, franchement, et pour faire un petit cadeau. Génial. Hop. Ensuite, toujours pour faire des cadeaux, j'ai trouvé des verres, trois verres de la princesse, comment ça s'appelle? La princesse des... non, la Reine des Neiges, voilà. Trois magnifiques petits verres de la Reine des Neiges. Voilà, c'est Disney Frozen. J'ai payé ça 2,50 €. Trop, trop, trop mignon. Hop, ça fera des petits cadeaux supplémentaires. Et pour aller avec, je ne sais pas si je vais vous l'ouvrir, je vais tâcher de vous l'ouvrir. Un petit bol. Voilà, la Reine des Neiges, trop mignon, comme ceci. C'est super mignon et le packaging, 1,99 €. Le petit bol, il est trop beau. Pour le petit déj, pour manger des céréales correctement, voilà, il se présente comme ceci. Il est trop mignon et il est hyper costaud, voyez. Ah, j'adore le, le renne là. Trop mignon, 1,99 €. Avec les verres, j'ai dit, ça va faire un super petit ensemble et j'en connais une qui sera super contente. J'ai trouvé également, pour faire un cadeau, un petit parfum de la marque, vous savez, The Secret Life of Pets. C'est un petit dessin animé, Summer Body Mist, 75 ml. Voilà, c'est un petit parfum pour les jeunes filles, les petites filles. Trop mignon. Regardez le packaging, c'est à croquer. À croquer. Et j'ai payé ce petit parfum 99 centimes. Trop mignon. Je vais essayer de vous le sortir, mais pareil, je ne voudrais pas. Ah non, il est scotché, comme c'est pour offrir. Voilà, je vous le remonte de près. Vous avez vu, il y a des petites... c'est une eau parfumée avec des petites paillettes. J'adore. Trop mignon pour offrir, 75 ml, 99 centimes. Ça en fait des cadeaux. Et enfin, je me suis pris, je vais vous en prendre un autre. Il est ouvert, celui-là. Hop. Pardon. Un petit parfum Varennes Tonic de Ulrich de Varennes Paris. Un vaporisateur de 100 ml, c'est une eau de parfum. Comme ceci, 100 ml. Une eau de parfum. Enfin, alors je vais essayer de vous trouver les fragrances. Celui-ci, je l'ai ouvert. Hop, la bouteille se présente comme ceci. Elle est trop, trop, trop jolie. Il y a 100 ml, comme je vous disais. Et c'est une eau de parfum. Voilà. Le bouchon est super luxueux. Trop joli. Oh, ça sent super bon. Ah, j'adore. Alors, est-ce qu'on a les fragrances? Il y a la peinture. C'est pas écrit. Il y a de l'eau. Nanana. Il y a du citron, de la citronnelle, du cumin, du géranium, de la limonade. Et voilà. C'est très frais. Hein. Franchement, ça sent trop, trop bon. Ah, j'adore. Voilà, donc j'ai payé ça 2,99 €. Et j'en ai pris un autre pour offrir. Trop mignon, ça sent super bon. Ah, j'adore, j'adore. Et enfin, pour finir, et après je vous laisse tranquille, hop, j'ai encore trouvé 4 petites paires de boucles d'oreilles. À 99 centimes. Voilà. Alors,
toujours de la marque CNC. J'ai des petits bouts de papier. Au lieu de 5,80 €, ce sont des puces, des pinces. Je les ai payées 99 centimes. Et j'en ai des blanches, mais des grosses. Et là, ce sont des petites pinces. Voilà, comme ceci. Elles sont trop, trop belles. Je ne sais pas si vous allez voir. Trop mimi. Ensuite, j'en ai pas du tout des comme ça, des orangés. 5,50 €. Regardez comme elles sont mignonnes. Voilà, ce sont des puces et elles sont toutes petites mais hyper jolies. Et c'est du métal doré, regardez. Très ethnique, très 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 joli, très fin, je trouve. J'espère que vous avez bien vu. Franchement, c'est très 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 fin. Voilà. Maintenant, j'ai 3 paires. Et les dernières, à 5,80 € en magasin. Là, ce sont des dormeuses. Alors, je ne suis pas dorée, mais là, avec le orange, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve que ça fait espagnol, ça fait... Et les petites perles de verre, là, elles sont superbes, regardez. C'est très, 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 très beau. J'espère que vous les voyez bien. Magnifique. Et elles ne se ressemblent pas du tout, toutes les deux. J'adore, j'en ai pas du tout des comme ça. Très très fine. Voilà mes chatons. Eh bien, c'était quand même encore une belle petite vidéo haul nose. J'espère qu'elle vous a plu. Si le cœur vous en dit, likez la vidéo si vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous à ma chaîne également si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à très vite avec grand bonheur pour continuer à partager mes petites trouvailles à toute ma communauté YouTube. Merci à tous les nouveaux arrivés, ça me touche beaucoup. Et un gros coucou, un gros bisou aux habitués de la chaîne. Moi, je vous fais un gros câlin. Mon petit Nunus, si je peux vous le montrer. Il est où? Il est là-bas. Dans son cube, excusez-moi, il y a du linge. Je vais essayer de zoomer, mais... Ah non, j'ai pas zoomé, là. Attendez. Mon petit doudou. Il est là. Il fait dodo. Voilà. Je reviens en essayant de pas trop vous secouer, mes chatons. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite avec grand bonheur. Et puis, portez-vous bien, mes chatons.